Bon, ça pue un petit peu, hein, je vous le cache pas. Il y a Léo qui est juste là. Vas-y, fais-lui tomber l'eau, ouais, bonne idée. Ah, je peux pas, non, je peux pas. Mais ah non, je pense qu'il one a plus shot, de... en fait. Non, mais je pense qu'il a plus de popo là, c'est juste leur. Non, non, je voyais encore les particules. Il y en a plein alors, hein, à ce moment-là. Bah, ils doivent en avoir au moins deux, donc ils peuvent rester 16 minutes sous popo, je Ouais, pense. non, il y a encore les particules. J'essaie de creuser par ailleurs pour les avoir. Je continue Et de ils les. pètent des trucs là en bas ou. Je continue de Y a les Léo par cuper. derrière. J'attaque Léo par derrière. C'est bon. J'attaque Léo par derrière. Butez-le, butez-le, vous m'aidez. Bah butez-le, j'arrive, il me en tue fait, en un coup. Non mais en fait il faut qu'on y aille à 3 dessus. Sinon on n'y arrivera pas. Bon, on a plus d'épée. Oh la vache. Aïe. Je vous cache Et pas eux que ils ont de la TNT donc ils font péter en bas. Oh. Je sais pas que ça va être compliqué là. Bon. On a beaucoup trop mal joué les assauts en fait. Je pense que là, cette fois. Même moi qui suis un naturel optimiste, là, je t'avoue que. Je vois difficilement là. Il est où Léo du coup? Non, je pense ouais, pas. Si Léo est pas parti. Notre stuff, Il... là, en fait. Ah, c'est bon, il a plus la popo, il nous one shot plus. Alors vous êtes prêts? Je suis juste derrière lui. Il nous two shot. Je vais vite me planquer, vite, il est juste là, venez m'aider, venez m'aider. Ah, mais je suis à la main moi. Ouais, bah t'inquiète. Je suis en train de le taper. Ah, moi aussi. T'as sûrement moyen, hein. Je l'ai tapé un petit peu. En forçant comme ça, on va peut-être en avoir un. Et mais il y a d'autres popos de force. Enfin, on a d'autres popos, il me semble. Sinon, oh, on prend du bois, je sais pas. Mais ouais, mais c'est ce que je fais. Mais moi, je fais des épées depuis tout à l'heure. Ils sont en train de remonter. Alors. Ils ont pas trouvé encore. Ouais, bon, après. Après, il faut qu'ils trouvent les boutons. Une fois qu'ils ont trouvé la bonne salle. Donc, en vrai, notre salle est bien pétée. Hein. Tiens, prof, une épée. Je passe par là. Je continue d'aller le déranger parce que je trouve ça marrant. Il est juste derrière là. Ah, j'ai mes épées en bois. J'ai plein d'épées, j'ai mes épées. Il est juste derrière là, Léo. Go. Putain, je me fais taper par quelqu'un. Ah bah, par Dorthos, je sais pas où il était, je l'ai pas vu. Oh, je lui donne un coup, deux coups. Bon, attendez, potion, instant heals, fire resistance. Ouais. Non, ça sert à rien, je pense, de prendre tout non. ça pour là. Je pense que c'est les claquer pour rien. Ouais, écoutez, bon, voilà, on va voir. Je pense qu'ils vont la trouver. On va voir. Ça dépend s'ils ont encore de la TNT. J'ai mis des épées un peu partout par terre. Ah bah moi j'en ai une, tiens. J'en ai une là. Mais je faisais rien. Il me bute sans raison. Ah putain. J'arrive pas à savoir si on lui fait vraiment mal ou pas en fait. Je pense qu'en fait il prend rien du tout. Parce qu'il prend un demi-cœur à tout casser. Ça a fait boum. Par contre il faut péter notre base, l'intérieur de notre base quoi. Ils les ont gars. Ils ont combien de TNT? Je sais pas. Peut-être qu'ils vont pas. Ouais, peut-être qu'ils vont pas trouver à ce niveau-là. Bah moi je dis que tant que Léo est encore là, c'est qu'ils ont pas. Ouais, ça c'est sûr. Je repasse par là. Léo est toujours là. Ah, ils ont fait péter notre trou mais de ouf. Là, y a quelqu'un. Je suis en train de taper Bri, je suis en dessous de lui, je vais peut-être pouvoir le buter. Oh putain, non, y'a Dorthos qui est venu par derrière. En fait je sais pas là, où est Dorthos, je le vois pas. Ils sont deux au centre. Ouais ouais, je sais pas où est Dorthos, je le vois pas. Oh, je t'ai vu. Mais ils ont fait un trou gigantesque dans la base. À la limite, on peut prendre avec une pioche, on peut se faire des épées en fer, en pierre. Tu sais, on prend sur la muraille, je sais pas. Ah, ouais, on pourrait. Oula, j'ai des lags là. Attends. Il y a Dorthos qui est juste là en dessous. Putain, j'ai poussé Dorthos dans la salle des coffres. Enfin, dans le couloir de la salle des coffres. Ah mon dieu! Y'a Super Bri qui m'attend. Ça va être compliqué. Honnêtement, là je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'ils la trouvent. Bah j'espère pour eux, hein. Parce que. Là ils sont là. Non mais je pense qu'il y a. Attends, je vais tester un truc. Je vais tester un truc, je vais prendre de la cobble ici, je vais essayer de faire une épée en. On peut pas les enfermer là dans notre trou? Non, on n'a pas le droit. Enfin, ceci dit, ouais, non. Ils peuvent se suicider derrière. Ils peuvent se suicider, donc on peut les laisser en dessous, non? Ouais, mais bon. Ouais, on pourrait, mais bon. Mais bon, c'est pas. Alors, j'ai une épée là. J'ai une épée en fer. En pierre. Ok, ils sont encore. Léo est encore en train de spawn le truc là. Ah putain, j'y arrive pas, je lui mets des coups, mais. Mais bon, ils ont un peu de lave là pour leur balancer. Ils ont encore claque. Ils ont encore. Alors, nous, on a le droit à de la lave en défense, hein. Et on a le droit de leur balancer du gravier à la gueule. Oui, tu peux. Tu peux.
On va peut prendre ça. Tu peux le faire suffoquer si tu veux, mais bon. Je pense pas avoir le temps. Et si on met la patate d'eau dedans, ils vont... Non, il en faudrait trop. Quoi, il va se noyer? Bah, ils vont se noyer à force, non? Je sais pas, ouais. Moi, je suis en train de faire une épée en pierre à chaque fois. Je pense qu'en fait, il faut qu'on synchronise nos mouvements. Faut qu'on ait... Attends. Est-ce qu'on attendrait pas? Venez. Venez tous vous faire une... Regardez. Attendez, je vais vous faire une épée en pierre à tous les deux, et comme ça on attaque Léo en même temps. Tu vois? Mais ça suffira clairement pas, je pense. Je sais, mais bon, c'est le mieux qu'on puisse faire. Il va à 3, ouais. Allez-y, tiens. Et tiens. Moi je passe par l'arrière, vous passez par... Comme vous voulez. Attendez, parce qu'ils sont juste là. Bon, on passe tous par l'arrière. On passe tous par là. Ouais, mais on risque de se taper dessus. T'es prêt, prof? Prof? Ah ouais, je suis là. Allez, vas-y. Go, vous êtes prêts? Ah, il nous a vu. Attention. Il y a quelqu'un d'autre là, il y a Brioche. Venez, on jette tous en bas, tous sur Brie. On tente. Ouais, c'est le moins de stuff. Oh non! Ah! Putain, il y a Léo qui est venu. Ouais. C'était. Ouais, bon, écoutez, là, moi j'attends qu'ils trouvent la salle, je sais pas ce qu'ils font. Bon, on continue de les déranger. Oh, oui, bah oui, je Ah, d'accord. Mais... je veux les faire Ah, ma chier. Souris! Ma souris qui marche pas. Mais... ils savent pas quoi faire, je pense. Là, ils doivent hésiter entre le jump, est-ce que c'est en bas, est-ce que... T'imagines, ils sont en train de se dire, putain, en fait, leur jump, c'est vraiment leur jump. Bah, ils doivent plus savoir, là. Ah, oh putain, il y a Dortos qui s'est enfermé tout seul. Dans un endroit. Il va lui ouvrir, je pense. Bah, je pense qu'il peut, hein. Ouais, il va pouvoir lui ouvrir, mais en vrai, si on pousse les deux dedans... Pas. On prend du bois... Go faire des épées. Attends, peut-être qu'il y a un moyen juste de descendre là. Est-ce que tu replantes au moins les pouces? Dortos, il est enfermé là. Il est. Ouais, je vais. Non, je replante pas. Ah, ça vaudrait façon, peut-être la peine parce qu'il y a presque. Ils ont ouvert, les trucs là de toute façon. Ouais, donc. Ouais, si tu veux, mais bon, je pense pas quand même que ça va durer autant de temps. Ah si. On ne sait jamais. On va les niquer. Voilà, moi, on va gagner. Ah, Miss, j'étais en train de. Ah, pardon. Faut se refaire du stuff. En pierre, en fait. Bah oui. Bah normalement oui. T'es le mec qui fait dire bah oui bah. Mais en fait. Bah le jump. Ma foi. Non mais de toute façon l'accès est toujours possible parce qu'à un moment j'ai voulu taper Dortos et il était juste à côté et c'était pas cet endroit-là que c'était pété donc c'est possible. Ouais, allez gaspille tes flèches. Je vous confirme que c'est possible. Qui c'est qui tire? Dortos. Il me tire dessus attendez, par le trou de... Je vais laisser ça là. Là, ils savent par où on tombe, donc du coup, ils surveillent plus l'entrée de Ah bah, go faire un autre trou. Non, mais on peut y aller par... On ah, va non, faire un autre Léo trou, ouais, dire. Bien sûr. Attends, ici, par là, ça m'a l'air bien. Toujours plus de trous. Y'a Brick qui est là. Attention. Ah. c'est... Ils ont pas le... Il faut vraiment qu'on se fasse. Ah, on va finir par casser leur stuff, hein. Limite, mais bon, même ou alors, on descend vite se faire du stuff, mais bon. Ah non, on les laisse pas là. Bah, juste un, tu vois, qui revient avec 2-3 épées en fer. Oui, parce que vous en... voir super brillant. Parce que vous en pensez? On peut voir. Prof, t'en penses quoi? De quoi, vas-y? Bah, il y en a un de nous qui descend chercher un petit peu de fer. Ouais, pourquoi pas, ouais, complètement, ouais. Tu veux? Ouais, je vais y aller, bah attends, je crève, là j'ai refait un autre trou là. Par où? Il est où le trou? Ah, fais gaffe quand même de pas. Fais gaffe de pas faire un trou dans la salle des coffres. Ils ont des pommes d'or. Je viens de voir Léo en sortir une. Donc est-ce que c'est parce qu'il en a de besoin? Alors ils cherchent tous les trois là. Ah merde! Bon, je vais aller chercher du stuff alors. Ouais. Ah putain Léo. Ouais, on a besoin prof si t'as moyen. Au moins une épée en fer pour tous, tu vois. Je sais où il y en a en plus à côté. Ouais bah vas-y. On te laisse faire, nous pendant ça on va essayer de les user un petit peu. On va voir, on est clairement en défense là, donc vu qu'ils trouvent pas pour le moment. On tourne en rond. Ah. Pas de chance. Non mais... Attends, je vais leur dire, pourtant elle est accessible, hein. je l'ai encore vue là, j'ai encore vu le chemin. Pourtant elle est accessible. D'abord me suicider, j'ai pas assez de vie, allez hop. Ils sont mauvais joueurs en plus, hein. Pourquoi? Bah il faut qu'ils passent à travers les portes et tout là. Il faut qu'ils fassent un truc. Croyez quoi? Si on avait voulu pas la cacher, on l'aurait pas caché. Rigolo. On va pas leur dire où elle est. Voyons. Ah non, il y a Dortos là, elle brille. Attends, t'as pas d'épée? Tiens, regarde, Miss, devant toi, il y a une épée là. Droit devant toi. Avance, droit devant toi, il y a une épée.
Marche droit devant toi, marche droit devant marche toi. Droit à ah, je confirme la salle des coffres encore ouverte. Bon, je reste pas devant trop longtemps. Ah, ils sont mais où la salle là des... Ils sont en haut. Ah. Ils vont retenter le jump. Oh. Quoi? Je leur fais mal. Eh, j'ai fait mal à Dorto, je crois, ils se barrent. Je leur fais mal, je leur fais mal, ils arrivent pas à me toucher de là. Aïe, 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 aïe. J'ai fait mal à Dorto un petit peu. Attends. Attends, j'arrive par en haut. Vas-y, 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 vas-y. Super Brioche est en haut. Il regarde le jump. Y'a Léo. Ah, j'ai cassé son casque. Brioche a plus de casque. Ouais. Allez, on va le mettre ah, à putain, poil. Bien joué, Dorto. Brioche à poil. D'ailleurs, ils sont en train de se dire peut-être que le. Bah, je pense que oui, hein, parce que là, Bri, il est en train de regarder le jump. Tu sais? Ça, ce serait tellement rigolo. T'as par contre, on a bientôt plus de bois. Bah, ça va repousser. Ah, mais... Brioche, je vais tenter le jump. Ok, bah là, c'est le moment de l'empêcher. Genre, de vraiment donner l'impression que. Alors là, c'est le moment aussi de les pousser. Alors là, par contre, ça va être très dur de se refaire du stuff vu qu'ils vont être dans la base avec nous. Attends, il y a Dorto, j'ai moyen de pousser Dorto. On va juste les déranger. Non, là, je pense qu'il faut essayer d'en faire tomber un, ouais. Clairement. Le temps que prof revienne avec le stuff. Ah, bah moi, ils je veux veulent bien passer par les stuff. Arbres. Normalement, je les ai bouchés. Ils peuvent pas. Ok, c'est bon. Oh putain, là le saut que t'as fait. Ah ouais, ouais, mais... Ah oh, merde, il y a un arbre ici qui empêche de passer il par là. Il reste sur les bords. Donc, prendre Bri, il tente. Ah, Bri, il est en haut, là. Une grotte, du fer, allez. Bri, il arrive à la... Bri, il arrive ah, en oui. haut du jump. C'est bon, je l'ai poussé. Ah putain, bien joué. Comment t'as fait? Parce que moi... Bah non, il est tout en haut. Ah bah c'est Dorto qui est tout en haut. Bah j'ai poussé Bri. Bon bah Dorto va voir qu'il n'y a rien tout en haut. Par contre, du coup, ils ont un bon accès pour nos lits. Ah oui, mais de là... C'est vrai, t'as raison, je suis bête. Je l'ai raté. Allez, bute-moi. Nice. Où est Dorthos? Dorthos ah ouais, mais du coup, il va me tirer dessus. Mais du coup, il voit que c'est pas... Bon, là, il voit. Aïe. Il voit que ce n'est pas la bonne. Bon, c'est pas grave, puisqu'en vrai, de toute façon, depuis tout à l'heure, il cherchait déjà pas au bon endroit, donc... Oui, ça change rien du tout, ça. Essayer de le faire tomber, quand même. Non, il est trop haut, là. Non, ça sert à rien. Il est trop haut, mais j'ai aussi avec Bri, mais... Alors, en fait, non, si, ça va marcher de là. Attends, ça va marcher, je vais réussir. Il faut juste casser ça, ce truc-là. Je vais réussir. Il est où? Il doit être toujours en hauteur. Ouais, je le vois plus. Ah putain, ça prend 2 heures à casser un four, c'est horrible. À la main, ouais. Je pense qu'il est redescendu. Par contre, là, la situation de siège commence à être longue, quoi. Faudrait que... Il se barre. C'est une blague. Mais non. Mais c'est une blague. Pourquoi quoi il se barre? T'en bon. Ah non, mais oui, faut pas recommencer une troisième blague, fois. C'est pour ça, mais les gars, trouvez la salle des coffres, bordel. On n'a plus rien, on est mort. Mais... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais cette saison, c'est une blague. On a aucun moyen et plus de TNT et on trouve pas. Bah oh là là. De TNT. La salle est accessible sans TNT. Elle est accessible sans TNT. En plus, elle est hyper legit notre salle pour le coup. Bah, c'est pas nous qui allons abandonner, c'est eux qui ont la flemme. Nous, on est à fond. Hein. On reviendra tout donc flemme, on reviendra tout péter. Bon, on va tout se coucher. Qu'est-ce qu'on fait, on abandonne? Quoi? Que dalle? On peut les niquer là, non? Comme vous voulez. Mais visiblement, ils en ont marre, donc je sais pas. Hein. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je pense honnêtement que vu le stuff qu'on a, c'est mort. Après, si on se refait du stuff, pourquoi pas, mais c'est comme vous mais voulez. Mais leur stuff doit être niqué, je veux dire, dans le sens, il doit être abîmé, non? Bah, je pense. Mais après, c'est... Ah, ça prouve que la salle est bien cachée, tu me diras, mais... Moi, vraiment, c'est comme vous voulez. Moi, je veux pas qu'on soit l'équipe qu'on abandonne. Depuis tout à l'heure, on se bat. Ouais, c'est sûr. Mais bon, là, tu vois, au point qu'ils en ont marre, ils se barrent, quoi. Tu te dis, bon... Je sais pas. Mais c'est dommage, parce que ça arrive de plus en plus souvent dans les FK, entre guillemets. Genre, une équipe qui, au bout d'un moment, en a marre et dit, oh bon, bah stop. Bon, genre, ben... c'est dommage, parce que dans les vieilles saisons, c'était jamais ça, quoi. du coup, alors, attends... Ben, c'est pas vrai. T'en es où toi, prof, du coup? Bah, je galère parce que sans stuff la nuit, c'est pas évident. Là, je suis à 1h30, j'ai pas de bouffe. Donc là, je récupère un peu de fer seulement maintenant. Ouais. Ok, bah, du coup, ça veut dire qu'ils sont en bas en train de chercher des TNT, quoi, a priori. Bah, je viens d'y aller, ils étaient dans leur salle des coffres. Chez eux, là? Ouais. Leur salle des coffres semble être au centre. Mmh. Je pense que leur salle des coffres. Je pense que c'est le moment de profiter du fait qu'ils vont aller en bas pour se faire une ou deux TNT et y aller bah, en mode fourbe, parce que. Ah, tu veux y aller sans fight? Bah, sinon j'ai l'impression que ça va durer encore des ans. Hein.
Bah ouais, mais bon, ils ont clairement l'avantage. J'ai une gunpowder, ils ont clairement l'avantage. Normalement, ils sont en situation pour gagner, quoi. C'est juste qu'ils ont pas assez cherché. C'est un jeu de stratégie. J'ai l'impression qu'ils ont pas trop cherché. Je les voyais sinon, toujours. Sinon, tu m'aurais pas choisi. De quoi, prof? Je dis, c'est un jeu de stratégie, pas de PVP. Sinon, tu m'aurais pas choisi. Ah merde, c'est pas là. C'est même pas, ça, mais je sais pas. Hop, attends. Du coup, je vais me refaire. Pas besoin. Je cherche à me refaire un peu de stuff en fait, moi, de Kayas, tout ça. Buter des creepers si j'en vois, mais bon. Il y a surtout des mobs, donc à la limite des mobs, hein, mais bon. Oh merde. C'est comme moi, vraiment, c'est comme vous voulez. Moi, je vous suis, je vous impose rien. Après, je sais par expérience que ça va râler dans tous les sens chez les viewers, mais encore une fois, moi, j'entends pas parce que. L'une des saisons les plus épiques dans la version FK en tout cas, c'est la saison 3 qui a duré 28 épisodes et parce qu'une équipe arrivait pas sur l'autre, etc., etc. Et à cette époque, les gens râlaient pas quand les équipes perdaient. Et maintenant, c'est un assaut chacun, puis sinon faut abandonner. Moi, je suis pas fan de ce principe. Je sais pas, ça a jamais été comme ça au départ. Donc après, c'est comme vous voulez. Abandonnons pas. Après, ce que je veux dire, c'est que si eux, ils ont plus envie, tu vois. Que eux abandonnent, pas nous. Ouais, mais bon. Ouais, enfin oui, dans un sens c'est peut-être pas tort, mais après disons on est entre guillemets dans le cul sur la phase PVP quoi. Ouais, non, moi je m'en fous, moi je m'amuse, moi je m'en fous, je peux alors te on va à saut, peut-être que s'ils veulent abandonner ils vont nous laisser chercher. Ouais, mais ça fait pas, franchement ce serait dommage que ça se passe comme ça parce que bah justement tu vois c'est, enfin ça casse tout le côté épique de cette série quoi, je trouve. On va voir, attends, déjà moi je suis en train de me refaire du stuff. Parce que dans tous les cas, même si on va les assauts, comme vous dites, il va nous falloir un peu de stuff, quoi. Ouais. Là, je suis dans l'aine, je rebouche un peu la base. Ok, moi j'ai du stuff en pierre. Bon, je pourrais pas la reboucher beaucoup parce que j'ai pas grand-chose, mais... J'ai une gunpowder pour le moment. Pas terrible. Et surtout que je peux pas sprinter, en fait, c'est ça qui est ultra... Prof, t'es où, toi? Moi, je suis mort avec tout ce que j'avais et je redescends. Ok. Je suis en bas, moi, là. Mais je vais redescendre dans des grottes, quoi, tu vois, prendre du fer. Ouais. Mais ce qui est chiant, c'est que là, même la nourriture, tu vois, sans bouffe, sans rien. Ah, la nourriture. Ah, il nous en reste dans la salle des coffres à faire cuire, hein, de la nourriture. Mais il y en a plein, il y en a une trentaine. Ah, putain, si j'avais su. Je crois. Le sang, il y a un lac de lave juste à côté, je savais même pas. C'est à côté de chez nous? Ouais. Ah, j'en ai vu un tout à l'heure, ouais, c'est possible. Creeper, ah, Creeper. Ici. Mais moi je pense qu'avec une TNT on peut y arriver. C'est possible. Ça dépend comment ils ont bouché, mais peut-être, ouais. Je suis en train de me les faire. Viens là, petit mouton. Oh putain, j'ai buté deux creeps qui m'ont rien donné. La loose quoi. C'est la loose. Ok, chuck. On peut remettre la nuit. Quoi? Ah, ils veulent pouvoir farm. Ah ouais, non, mais à un moment, les gars, genre... C'est quoi cette stratégie? Je sais pas, il y a des règles. Et donc nous, on fait quoi en attendant? On se fait chier? Non, mais je sais pas, il y a des règles, on va pas remettre la nuit. Ah, c'est bizarre. Hop. Ouais! À deux! J'ai trois. Deux! T'as vu? J'ai trois gunpowder, mec. Eh, hey, donne de la bouffe, tiens, si t'en as un peu, là. Oh. Tiens, non, un raw pork chop. Ah, c'est très bien. Je rebouche un peu le devant. Ok. C'est très bien. Bon, bah, les amis, on va voir ce qui va se passer. Encore une fois, tout ça n'est qu'un jeu, les amis. Donc, merci d'être cordiaux dans les commentaires. Et on puis, ne joue pas notre vie. Bah, disons, quand même, on est en défense. Quand on... Bah, non, mais c'est-à-dire que nous, on est en plein dans l'action. Donc, forcément, quand on est en défense, on essaie de faire les choses bien, ce qui est normal. Mais après, effectivement. Oh, putain, je vais mourir comme une merde. Ah non, hein, t'as la gunpowder. Hein. Ouais, je vais rentrer la poser au moins. Ouais, après, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose, mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire grand chose? Ils nous ont tués en boucle. Ouais, enfin, excuse-moi, qui a fait les nether, qui a fait le dragon, on a quand même play tout le début de la game. Après, je parlais pendant la défense là. Je parlais on n'a pas fait grand chose, on a essayé, on pouvait pas faire plus, oui, hein, je pense. Je sais. Bah, ouais, je vais me restuffer full fer, là, il y a tout dans cette grotte. On pouvait clairement pas faire plus. Bon, de toute façon, on va se laisser, on vous dit à très vite. À tout de suite. Ciao tout le monde.